j'étais lecteur de bande dessinée, mais pas tant que ça. Disons que j'ai pas la culture bande dessinée de la plupart des auteurs de bande dessinée franco-belges. Je suis plutôt un lecteur de manga et de comics américains. Donc un lecteur tardif, en fait. Bon, en fait, y a pas de, la question se pose pas dans ces termes-là. On a envie de faire de la bande dessinée, on lit de la bande dessinée, mais on passe pas de l'un à l'autre. Moi, j'ai toujours fait de la bande dessinée tout petit, à l'école primaire notamment, et j'ai toujours voulu en faire. Les beaux-arts que j'ai fait, notamment ici, ne m'ont pas spécialement encouragé à en faire, car j'ai fait tous les départements de art, communication et DNAT, sauf l'atelier bande dessinée. Et c'est donc il y a une période où ça s'est arrêté. Cette envie et qui correspondait à mes études. Et en fait, c'est à la fin des études que j'ai repris la bande dessinée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un désir de bande dessinée classique, et notamment de bande dessinée de science-fiction, que j'ai toujours. Et la rencontre avec Loïc Néhou, qui était lui-même un étudiant à l'école des Beaux-Arts, a fait que il m'a poussé lentement à plutôt au récit autobiographique, au récit de l'intime. Car lui, c'était les choses qu'il aimait énormément. Moi, je ne connaissais pas du tout cette option de la bande dessinée, qui à l'époque du reste était extrêmement ténue. Et comme on se connaissait, qu'on était très amis et qu'il connaissait ma vie, il n'arrêtait pas de me dire régulièrement, mais ce que tu me montres, moi, ça m'intéresse moyennement, donc les pages de science-fiction. Mais par contre, ce que tu vis m'intéresse beaucoup plus et j'aimerais bien voir ça en page. Moi, je pensais que ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais malgré tout, j'ai commencé à en faire, mais d'un point de vue strictement personnel, c'est-à-dire sans aucune visée de publication au départ. Et c'est en montrant les pages à Loïc qui lui disait, mais si, il faudrait montrer ça, il faudrait le publier. Je souhaite commencer un magazine ou une revue collective de récits. Est-ce que ça te dit de publier ces premières pages dedans? Moi, j'avais aucun doute, enfin, j'avais pas d'opinion par rapport à ça, donc je l'ai laissé prendre un peu les rênes, et c'est comme ça que les premières pages autobiographiques de mon travail ont paru. Alors ça, le tout début d'Ego Comics, donc la structure qui a fini par s'appeler Ego Comics, dont j'étais cofondateur au départ, c'était, si je ne dis pas de bêtises, 1991, 1992, les premières pensées autour de ce magazine. Et la première publication doit être 94, je crois. Je ne suis pas certain des dates à l'année près. Alors en fait, effectivement, les premières pages ont été publiées en revue, donc de cet organe, structure qui s'est appelée très rapidement Ego Com X. Et il a fallu peut-être 2 ans pour que je réunisse les pages en question pour faire quelque chose qui allait pouvoir constituer un livre qui s'est appelé donc le journal premier tome, donc journal 1. Ce journal a été publié en 1996. Ego Comics avait publié en amont un petit récit de Vincent Sardon qui s'appelait Nénéref, et je crois avoir été le deuxième livre d'Ego Comics. Je ne suis plus certain non plus. Si j'étais pas le deuxième, j'étais le troisième. Alors, ce qui se passe au moment de la parution du journal 1, enfin, on peut dire déjà quasiment dès l'apparition des premières pages dans Ego Comics, en fait, se passe quelque chose d'assez étrange qui est lié en grande partie au hasard de l'exposition qu'on avait fait à l'époque des pages dans un lieu qui était très proche du CNBDI, puisque moi-même j'habitais dans un appartement qui était dans le bâtiment du CNBDI, et nous avions essayé de faire une exposition qui s'était retrouvée à la MPP de la Grand-Fond, donc c'est-à-dire à peu près à 250 000 km des points névralgiques du festival, où je crois qu'en tout et pour tout, pendant le festival 1984, il y a eu 2 visiteurs. Donc on avait un peu en amont imaginé que c'était pas du tout une bonne opération, et on a essayé de trouver un lieu d'exposition plus central. Il s'est trouvé que ben, je me suis dit, bon, ben, on va débarrasser mon appartement, un peu comme aujourd'hui, et exposer dans l'appartement. Et en exposant l'appartement, on a même eu l'idée de commencer une espèce de performance sur l'intime assez étrange. Il ne restait que mon lit, en fait, à l'intérieur de l'appartement. Et j'ai pensé une sorte de performance où je me déshabillais, pas complètement, et je me couchais dans le lit, exactement dans la même position que mon personnage narrateur avait dans une des pages. Et la page était exposée devant le lit.
Et en fait, conjointement, cette performance, cette exposition dans le lieu du CNBD, donc très très proche, on avait mis des flèches à l'arrache pour faire venir les gens, a fait qu'il y a eu beaucoup d'affluence de gens. Certains d'ailleurs pensaient, à tort, que c'était une sorte d'exposition officielle qui était un peu déportée sur les côtés, mais on a un peu parasité, sans l'idée d'être des parasites, mais on a été un peu épiphyte du festival, et ça a amené beaucoup d'affluence, et notamment un certain nombre de personnes de critiques, de gens qui s'intéressaient de manière assez pointue à la bande dessinée. Et je pense que le début d'Ego Comics et de la revue a démarré en partie grâce à cette espèce de hasard et de coïncidence d'être très très proche du lieu. Et ce qui fait qu'après, les pages et le contenu des pages a été assez vite commenté, et notamment saluer un peu le phénomène de ce début d'autobiographie qui commençait en bande dessinée, puisque parallèlement, il y avait aussi des gens de l'association, qui étaient plutôt à Paris, qui commençaient ce genre de récit. En fait, donc c'est pas le tome 1 vraiment. Je pense que très très vite, très tôt, le phénomène Ego Comics s'est mis en place. Mais il est vrai qu'avec l'apparition du tome 1 du journal, ça s'est accéléré. Notamment puisque j'ai eu le prix d'Alpharte coup de cœur, unique prix d'ailleurs que j'ai jamais reçu, quasiment presque pour tout mon travail, en 97 l'année suivante. En fait, oui. C'est-à-dire qu'indépendamment de la réception de ce travail, non, sérieusement, sur les premiers mois, non, il était censé y avoir, on va dire, deux tomes. Il se trouve que les deux tomes se sont transformés en trois, mais sur l'intention, c'est au moment où ça se transforme en trois tomes que ça devient un travail au long cours. Donc au début, disons que les livres, comme le tome 1 du journal, sont censés raconter une histoire. Avec une sorte de début, une fin. C'est-à-dire, dans cette histoire en l'occurrence, c'est la relation du narrateur avec un amant qui commence et puis qui se termine par une rupture. Donc en fait, ça devient un travail au long cours à partir du moment de la deuxième histoire, qui était censée correspondre au tome 2, et qui est devenu le tome 3. Il se passe que le travail va se diviser pour moi en deux façons de travailler. Qui sont la première, c'était cette envie d'être en rapport avec le temps réel. Donc de dessiner, on va dire, au quotidien ce qui se passait. Qui devient très rapidement une illusion totale et une impossibilité, parce que avec l'un, je dis bien l'un des styles que j'adopte, qui est un style plutôt, et là aussi ça se discute, réaliste, je peux absolument pas dessiner en temps réel ce qui se passe. Donc il se passe deux choses. Une espèce de prise de notes toujours en retard sur le temps qui passe, qui constitue et constituera des carnets, que je continue toujours. Et ensuite, malgré tout, le recul s'installe, et l'idée d'une publication de livres, de tomes, qui ressemblent à des histoires. C'est-à-dire de rescénariser, de remettre en fiction, au sens large du terme, le récit autobiographique. Donc jusqu'à présent, on va dire jusqu'au tome 3, on est dans un découpage très pensé, en fait, du travail, et non pas du tout comme le prétend le titre, qui est quelque part une erreur, un travail de journal. On n'est pas du tout jour 1, 1er janvier, temps, il se passe ça, etc. On est vraiment dans une reconstruction totale du récit sous forme avec les outils de la fiction. Mais il y a toujours derrière un travail de carnet qui est de la prise de notes en direct, qui me permet justement de squeezer ce recul, le recul qui permet certaines choses, mais qui en empêche d'autres, qui empêche l'inutile, qui empêche le superflu, qui empêche tout un tas de choses qui pour moi sont des choses importantes, que je peux ensuite remettre dans le travail qui est restructuré. Voilà. Alors le rapport entre fiction et non-fiction, pour moi, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment, vraiment, vraiment pas. Hormis ce moment de la prise de notes, mais même, parce que ma prise de notes, ma prise de notes dans les carnets, elle est d'emblée inféodée à la structure même de la page, qui est la structure du gaufrier, ce qu'on appelle en bande dessinée le gaufrier. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, hein, une gaufre qu'on applique sur une page, et c'est un gaufrier de 9 cases. 9 cases qui peuvent être redécoupées suivant le Tetris que ça forme dans la page. Donc moi, de toute façon, quand je raconte dans mes carnets, surtout les carnets de maintenant, les carnets sont au même format que les pages originales qui servent au récit plus structuré.
Et donc, il y a déjà une structure qui s'impose, qui n'est pas la structure forcément de la fiction romanesque, mais qui est bien la structure de la bande dessinée. Donc, ce qui est important pour moi par rapport à ce travail, c'est que ce n'est pas, comme plein de gens pourraient croire, j'écris à l'avance, je dessine mon journal, je n'écris pas mon journal, je le dessine. Donc, je pense en bande dessinée tout de suite les événements qui m'arrivent. Il n'y a pas une séparation entre un récit raconté de manière littéraire d'un côté sur lequel se plaqueraient des images. Donc, d'emblée, même dans mes carnets, c'est penser en bande dessinée. Et j'essaie de voir ce que ça donne, parfois, cette absurdité d'éléments qui se succèdent et qui ne coïncident pas forcément avec la chute du strip ou la chute de la page. Et ensuite, tout ça peut être restructuré pour une bande dessinée plus classique, je dirais, qui forme les tomes du journal. Mais là encore, le tome 4, par exemple, du journal est beaucoup plus proche du carnet initial que le tome 3. Le tome 3 du journal, qui fait maintenant 425 pages, est la chose la plus construite que j'ai jamais faite de toute ma vie. Et qui a une construction, du reste, extrêmement complexe. Disons que l'ensemble des dispositifs a été créé au moment de les faire. Et ce sont les dispositifs de la bande dessinée. C'est ça qui m'importe. Parce que je lutte très très fort contre la tentation de certains critiques ou commentateurs qui vont dire justement, ah, il écrit sa vie, je sais pas quoi. Non, non, je dessine. C'est quand même le dessin qui est... Contrairement à ce que l'on pourrait croire, où je suis assez bavard dans les bandes dessinées, mais c'est quand même le dessin qui est premier dans l'affaire. Parfois, il y a des moments de texte un peu conceptuels sur lesquels le dessin vient en illustration. Mais la plupart, c'est que ça reste l'écriture de la bande dessinée qui est pour moi principale. Et quand je dis je me heurte à certains commentateurs qui parlent de romans graphiques, ce genre de théorie fumeuse, comme quoi ils saluent le travail parce que d'un seul coup ce n'est plus de la bande dessinée. Alors qu'au contraire, je pense que s'il y a quelque chose à saluer dans mon travail, s'il y a bien quelque chose à saluer, c'est parce que c'en est. Et ce n'est que ça. Et ça n'est pas censé être autre chose. Ce qui rend la chose difficile, hein, parce que parfois, évidemment, il y a du texte qui peut être très très long. Ouais. Bon, bah, j'abandonne, puis je passe à autre chose. Ce qui se passe, il y a déjà deux choses. Effectivement, il y a une réception très positive à laquelle j'avais pas du tout pensé. Bon, initialement, comme je l'ai dit au début, il faut s'imaginer que j'avais l'impression que ça n'intéresserait absolument personne, qu'éventuellement il y aurait 200 lecteurs maximum, et que ça s'arrêterait là. Il se trouve que la réalité, surtout aujourd'hui, a largement démenti ça. On est à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de lecteurs sur l'ensemble du journal et l'ensemble des tomes édités ou réédités. Donc il y a une réception de mon travail en l'occurrence qui dépasse, on va dire, les espérances à la fois de l'éditeur et de l'auteur. Ensuite, il y a un mensonge. Il y a un mensonge médiatique sur l'historique de mon travail, car je suis, je pense, à tort, salué comme une espèce de pionnier de l'autobiographie, quasiment le premier qui aurait fait de l'autobiographie en bande dessinée. C'est totalement faux. Ça, c'est quelque chose qui semble arranger les médias, qui, quelque part, d'un point de vue publicitaire, m'arrangerait aussi, parce que, évidemment. Si je suis le premier de quelque chose, forcément, c'est plus intéressant d'un point de vue médiatique. Mais c'est faux. Historiquement, c'est totalement faux. Il y a des gens déjà beaucoup plus âgés que moi qui ont fait de l'autobiographie, ne serait-ce que chez les anglo-saxons, il faut penser à des gens comme Crumb, qui quand même, largement, a été beaucoup plus vite et loin que moi sur un travail autobiographique. Il est vrai que le travail de Crumb est plus complexe, engendre de la fiction, de l'autofiction, tout un tas de choses. Mais il y a une espèce de choses assez fausses que j'aime bien rectifier régulièrement, qui est que je ne suis pas le premier du tout. Après, on peut-être reconnaître dans ce travail à la fois une forme de continuité, c'est-à-dire plusieurs tomes qui se suivent avec une relative chronologie des événements, une continuité de l'intention de l'auteur de faire ce travail-là et de dire, c'est vrai que je l'ai dit dès le départ, ce travail coïncidera avec la durée de ma vie. Et effectivement, l'une des thématiques possibles du journal, qui est l'apparition de l'homophobie, et non pas de l'homosexualité, mais de l'homophobie dans le travail, c'est-à-dire comment le narrateur subit les assauts homophobes par rapport à son orientation sexuelle, réelle ou supposée. Donc tout ça ensemble fait que forcément je suis le premier de quelque chose. Mais sinon, historiquement, je suis le premier de rien. Edmond Baudouin, notamment, en France, a fait de l'autobiographie bien avant moi. On peut penser à Julie Doucet au Canada, enfin, tous ces gens-là. Vous êtes bien le premier interlocuteur à le souligner.
Parce que, en fait, dans les mensonges à la fois historiques et médiatiques, il y a celui du style qui est de considérer que le travail du journal est un travail réaliste. Et pareil, je trouve que c'est complètement faux. Je ne crois pas que les gens qui utilisent le terme de réalisme savent vraiment ce que ça veut dire, première chose. Et de deux, je crois qu'il y a une chose qu'ils ne voient tout simplement pas, c'est que si toutefois il y avait quelque chose qui s'apparentait au réalisme dans mon travail, il y a aussi d'autres styles et d'autres, on va dire, écritures qui sont utilisées. Et en plus, par rapport à cette notion de réalisme, il y a l'idée complètement fausse que mon travail serait totalement inféodé à la photographie. Ce qui est complètement, c'est n'importe quoi. Alors certes, j'ai une banque de données photographiques, qui peut être à l'origine du travail, mais surtout pour certains propos, j'ai un style et une écriture qui est totalement grainée, on va dire, totalement conceptuelle, complètement BD, en fait. BD BD de codé, base. ouais. Il se trouve que je pense que si on pas en inférieure, mais si on synthétise à par escient mon travail du côté du réalisme, c'est que il y a une partie de ce travail qui échappe à l'écriture classique de la bande dessinée. Là, on va rentrer dans des termes un peu pompeux, qui est l'écriture platonicienne. C'est-à-dire l'ensemble de la bande dessinée est complètement inféodé justement à l'idée platonicienne. Il y a les idées dans le ciel, les concepts, et le dessin qui est censé représenter par défaut, vaguement et assez mal, les idées qui sont dans le ciel. Donc le dessin de bande dessinée, la plupart du temps, c'est quelque chose qui exprime une idée. Donc c'est un ensemble de signes. Ça veut dire visage, ça veut dire personnage, ça veut dire voiture, ça veut dire arbre. Donc on a toute l'école actuelle, notamment, qui va de Trondheim en passant par Sfar, Blin et à peu près tout le monde, notamment dans les indépendants. Moi, mon travail, et c'est peut-être là qu'on l'appelle réaliste, l'une des parties de mon travail n'obéit absolument pas du tout à l'écriture platonicienne. C'est-à-dire que j'ai besoin du référent de la réalité derrière. C'est-à-dire que le dessin représente quelque chose qui est hors champ de la page, hors champ de la case, hors champ du dessin. Hors champ du style BD classique. Donc, par exemple, ben, c'est normal, en bande dessinée, il faut que le personnage se reconnaisse d'une case à l'autre. Donc en fait, on le réduit à un certain nombre de signes. Son nez est comme ceci, ses yeux sont comme cela, Tintin a une houppette, le capitaine Haddock a une barbe et une casquette de marin, et il l'a tout le temps d'une case à l'autre pour qu'on le reconnaisse. Or, la réalité, c'est tout sauf ça, puisqu'on change d'habit. Les personnages de bande dessinée se lavent assez peu souvent, apparemment, puisqu'ils ont toujours les mêmes fringues. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et quand on fait un journal, ben, parfois, moi, je me retrouve, justement, d'où l'écriture en premier des carnets, à dessiner ce qu'il y a en face de moi de manière extrêmement premier degré, et après j'essaie de voir ce que je peux en faire. Donc forcément, parfois je range, je contrains les choses pour rentrer dans une écriture de bande dessinée qui rende la chose lisible, mais initialement, j'essaie de tendre vers la représentation rétinienne de ce que je vois. Et ensuite, ça, j'essaie de nouveau de le contraindre dans quelque chose qui puisse être lisible. Et je pense que c'est à cet endroit-là que les gens appellent ça le réalisme. Mais je crois que c'est totalement faux comme définition. Mais il y a quelque chose en même temps de vrai qui est d'avoir reconnu dans mon travail qu'il se passe quelque chose d'autre. On va leur reconnaître ça, c'est genre. Ce qui fait que bah, j'ai plusieurs styles et plusieurs écritures dans mon dessin. Parfois, ça nécessite une écriture bande dessinée extrêmement classique pour être lisible, parce que pour le coup, le récit est au service du sens, donc au service d'une chose à dire ou à démontrer. Et parfois, à l'inverse, c'est les choses que je veux raconter, que je vois, que je perçois, que j'essaie de faire percevoir au lecteur. Donc, on est dans l'ordre d'une chose de l'ordre de la perception et non pas du sens. La bande dessinée, à mon sens, est trop souvent inféodée au sens. C'est-à-dire, on veut absolument dire quelque chose et il faut que ce soit compréhensible. Bah, parfois, il faut aussi montrer des choses, et même si elles ne le sont pas, même si elles paraissent hermétiques, ça oblige le lecteur à essayer de rentrer dans la perception de l'auteur. Et non pas l'auteur à se mettre absolument au service d'une lisibilité. Dans la mesure où justement la bande dessinée franco-belge est inféodée au sens, et elle a l'extrême et unique lisibilité, même si ça donne parfois chez certains auteurs des dessins très détaillés, quand j'ai ce fameux style réaliste, l'idée c'est de
Enfin, il est vrai que oui, par exemple, dans le tome 4 du journal, il y a au tout début une grande part de paysage qui est liée à une certaine érotique ou affection du narrateur et donc de l'auteur à certains types de paysages d'une certaine région de la France. C'est à la fois c'est le manga donc japonais qui m'a amené à comprendre qu'on n'était pas toujours obligé de dessiner des personnages dans un décor quasiment vide dans la page parce qu'il n'y a qu'eux qui parlent et donc il n'y a qu'eux qui apportent du sens et que finalement le scénario n'est là que pour faire avancer l'histoire, mais aussi que parfois le décor a son importance pour contextualiser les choses et qu'on n'est pas toujours obligé de réduire la facilité de la lecture d'un récit en mettant du blanc autour. Bon, alors que moi j'adore le blanc par ailleurs, mais bon, à un moment donné, des choses importantes et lisibles sont dites et le décor reste très précis derrière. Parce qu'il se passe autre chose. J'essaie de voir ce que ça provoque, justement, de continuer à mettre des éléments qui sont a priori inutiles au niveau du sens. Qu'est-ce que ça produit? Bon, après, j'en sais rien ce que ça produit. Enfin, j'ai une petite idée, mais en tout cas, je pense que ça produit quelque chose. Et ça, d'un côté, c'est le manga qui me l'a apporté, alors que dans le manga, il y a encore un sens de lisibilité extrême, quand le décor est là et très précis, c'est qu'il est là pour dire des choses qui ont du sens, et très rapidement, on a de nouveau les personnages avec du blanc derrière. Moi, parfois, je me retrouve avec des dialogues ou des grands monologues entre personnages, où je me retrouve très vite aussi à mettre du blanc derrière, parce que passer 5-6 pages à remettre le décor précisément, d'un, c'est long. Deux, ça n'apporte peut-être plus que ce que je voulais apporter au départ. Mais très rapidement, j'essaie de refaire une scène où le décor est de nouveau là, où le décor réapparaît. Je ne sais pas ce que ça produit. Je veux produire quelque chose, en tout cas. Savoir quoi exactement, je ne saurais pas le dire. Mais c'est peut-être là encore qu'on me prête ce truc de réalisme. Ça a été un problème dans mon dessin, à un moment donné, qui est que peut-être en fait, je dessine finalement le personnage, un personnage, de la même manière que je dessine le décor, avec la même attention, ou le décor avec la même attention que le personnage. Ce qui peut créer un trouble, qui crée un trouble justement pas d'illisibilité, mais ça fait frotter la lisibilité possible, parce qu'on peut se dire, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de premier plan où le personnage est là, il nous raconte les choses, et en fait derrière, on n'a que du décor. Ce que j'essaie de dire dans ce dessin, ou ce que j'essaie de faire percevoir, c'est ce que moi-même je perçois, c'est que tout de suite, quand je regarde les choses, et quand je dessine, et quand on m'a appris à dessiner aux Beaux-Arts, notamment avec un fameux professeur qui s'appelait Claude Richard, paix à son âme, et qui nous a appris aussi à dessiner un peu de cette manière-là, c'est-à-dire à observer, à essayer de court-circuiter le cerveau, c'est de ne pas prêter plus d'attention affective à ce qui nous paraît affectivement la chose la plus importante. Et ça trouble. Ça a fait dire notamment à quelqu'un comme Johann Schwarz, je n'avais pas un dessin amoureux. Je laisse la responsabilité de ces propos à Johann, mais je crois que c'est une incompréhension totale de mon dessin de dire ça. Il se passe autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe autre chose. Et je pense que là, de ce côté-là, il se passe quelque chose dans la bande dessinée qui s'était quasiment pas passé ailleurs. Qu'on puisse parfois dessiner une tasse. Enfin, bon, je coupe un peu, mais le dessin que je fais actuellement, je suis un peu plus orienté vers l'illustration ces derniers temps. Je fais des portraits centrés, très portraits à l'ancienne, très Holbein, et je dessine toujours systématiquement ou quasi systématiquement le décor derrière. Et pour moi, il n'y a pas de derrière de devant. C'est-à-dire, je prête la même attention au fauteuil, au drapé, aux objets qu'il y a derrière, comme tel le cadre qui est là. Bon, j'imagine qu'on doit voir un certain nombre de choses derrière. Que sont ma bibliothèque vide, je vais dessiner de la même manière les choses, parce que il n'y a pas de raison que je méprise ce qu'il y a là que le personnage. Et je pense que ça a autant d'importance et que ça dit autant de choses, enfin en tout cas ça dit autre chose que de seulement se focaliser sur le personnage. Et comme en bande dessinée, encore une fois, c'est une histoire de petits personnages et de petits Mickey qui se baladent d'une case à l'autre et qui se racontent des histoires, moi j'essaie de voir ce qui se passe autrement. Donc j'essaye des choses et ça multiplie les écritures et les styles dans mon travail. Donc assez bêtement, historiquement, on considère que je suis le premier de je ne sais quoi et assez bêtement, on considère que je suis réaliste. Mais je pense que c'est les deux choses qui sont pointées, c'est les choses qui ne sont pas comprises en fait. Parce que, ils comprennent pas ce qui se passe et ils pensent qu'il se passe un truc particulier ici, ce qui est peut-être vrai. Mais en tout cas, il se passe d'autres choses qu'ils ne voient plus. C'est assez étrange. La question sur le temps est intéressante parce que justement, on parlait du manga un peu antérieurement, et la découverte du manga japonais, enfin du manga asiatique en général, parce que je crois que c'est un terme générique, c'est un rapport au temps qui est complètement différent celui du rapport de la bande dessinée franco-belge.
où nous avons appris, grâce notamment à notre ami Hergé, qu'une scène commençait en haut à gauche d'une page et devait se terminer impérativement en bas à droite. Ou du moins qu'il y ait une ponctuation, ce qui reste toujours vrai, qu'il y ait une ponctuation en bas à droite de la page. Tout ça se retrouve inféodé à l'histoire de la bande dessinée qui viendrait, selon un certain Thierry Smolderen, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque aussi, du strip de presse, en généralement 3 ou 4 images, et donc une bande horizontale, 3 ou 4 images, qui est ça commence à gauche, ça se termine à droite. Je pense que même Bastien Vivès s'est pas mal plaisanté là-dessus. Bref, le manga nous apprend que même s'il y a toujours de fait une ponctuation à chaque fin de page en bas à droite, on peut développer une scène un petit peu plus que sur uniquement 2 pages. On peut faire des scènes qui en font 4, voire 10, parfois 50, et même 200. Je crois que dans Akira, il y a une sorte de plan-séquence qui dure, dans le tome 2 d'Akira, qui dure sur 200 pages. Il y a même une bande dessinée, un manga qui se déroule en temps réel sur quelques secondes, et en fait dure sur 500 pages. C'est une espèce de robot extraterrestre qui débarque, qui accélère le temps de quelques personnages humains, qui se retrouvent dans un temps immobilisé et se rendent compte en fait qu'ils vont très très vite dans l'espace de quelques secondes. Bon. Donc moi ça m'a appris que je pouvais faire des scènes qui ne se faisaient pas qu'en 2 pages. Donc de dérouler des événements, de dérouler des émotions sur plus de 2 pages. Mais également autre chose, ça m'a permis notamment de pouvoir entrer dans mon récit un goût particulier que j'ai pour la musique, et pour une certaine musique qui est notamment la musique classique, dont les durées ne sont pas les mêmes que les durées du rock ou de la pop. Puisque, encore une fois, je crois que bon nombre d'auteurs de bandes dessinées sont assez inféodés dans leur goût à la musique populaire, à la musique rock, dans le sens le plus large possible, ou même peut-être éventuellement au jazz. Bon, ça nous donne couplet-refrain, 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 4 minutes. 3-4 minutes, une chanson. Donc avec une structure finalement assez simple. Hein, bon, avec deux temps un peu différents, le couplet, le refrain. Une répétition, généralement de 3. Généralement, ça fait 3 couplets ou 2 couplets, 3 refrains. Et ad libitum à la fin. Et donc ça structure quand même une façon de penser, et une façon de penser son art, son médium, d'une certaine manière. Le manga, je ne sais pas s'ils écoutent la musique classique, mais en tout cas, ils structurent le récit autrement. Et moi, ça m'a fait me rappeler que finalement, la façon dont le temps se déroule dans ma tête, c'est un temps qui vient de mon écoute de la musique classique, et notamment la musique romantique, de compositeurs de musique romantique, dont des choses très longues. Donc ça va jusqu'à Wagner, avec la tétralogie, qui, cumulée, peut faire 19 heures. Donc ça donne un découpage du temps, de penser le temps de manière totalement différente. Et comme les tempos en musique sont aussi variés que du très lent au très très rapide, avec le forte, le non forte, etc., ce qu'il n'y a pas dans la musique pop ou la musique rock, où l'intensité sonore est toujours à peu près la même, et qu'en plus une chanson généralement change très très peu de rythme, à part parfois quelquefois chez les Beatles, mais qui eux-mêmes ont une grande culture classique. Donc en fait, le découpage du temps en bande dessinée, chez moi, m'a permis de penser les récits, et notamment les livres, comme soit des symphonies, soit des mouvements de symphonie, soit des poèmes symphoniques, avec leurs moments d'accélération, leurs moments de ralentissement du temps, donc avec des séquences très très longues qui racontent ou déploient un événement très très ténu, soit juste une émotion, soit juste des moments de répétition, pour revenir sur la structure rock ou pop, ce qui donne notamment en dessin ce qu'on appelle l'itération iconique, qui est très très utilisée actuellement, le même dessin répété avec une très très faible variation, et le seul sens qui est modifié, c'est généralement le texte. Donc on en est encore à cette idée platonicienne que finalement, le sens, contrairement à ce qu'on croit, que tous ces gens croient, qui sont en train de faire du dessin, en fait, ils sont totalement inféodés au texte. Ils ont le même dessin répété, et puis finalement, c'est la bulle qui change avec le sens à l'intérieur. Donc j'utilise aussi ça parfois, mais pas que ça. Et parfois, c'est uniquement le paysage, justement, qui se déploie, avec une voix off ou pas, ce qui donne des choses très très lentes, un temps très ralenti, parfois des choses très très accélérées, avec un texte très dense, ce qui peut être la fin du tome 3, notamment du journal, où on a une accélération du temps avec les fêtes de Bayonne, où on est dans un gaufrier extrêmement scandé comme ça, avec une densité dans le dessin, une saturation du dessin très très forte, qui, j'espère, donne la notion de la fête et d'une espèce de bouillonnement qu'il y a à l'intérieur. Et en même temps, en plus, un texte extrêmement serré, extrêmement dense, même avec une sorte d'écriture quasiment technoïde,
faussement contemporaine, moderne, journalistique, avec des bouts de phrases sans verbe, ce genre de truc un peu dégueulasse en littérature, mais qui là apporte un certain sens particulier. Donc, ça, je crois que j'ai. Je développe une idée de la temporalité en bande dessinée, j'espère assez large, quoi, avec un spectre assez étendu, je l'espère. Je sais pas si ça marche. Alors en fait, bah, mon rapport à ma propre production est bon, étrange, ambigu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une espèce de détestation un peu affectée, je trouve, de leur travail. Oh non, je ne pourrai plus relire ça, jamais, etc. J'avoue que je crois que j'ai rarement relu mon propre boulot, parce que. Mais je crois que c'est la théorie de l'œil du cyclone. On est tellement dedans, on l'a tellement fait, on connaît tellement les traits que ça devient difficile. On ne peut pas être un lecteur lambda de son propre travail. Donc moi, je relis assez rarement ce que j'ai fait, tout de même. Mais globalement, je suis quand même assez satisfait de ce que j'ai produit. Bien sûr, si je me replonge sur les pages du tome 1, aujourd'hui, je dessinerai plus du tout de la même manière. J'espère mieux. Je raconterai autrement. Je corrigerai un certain nombre de visages, de bouts de personnages mal foutus, de paysages pas exactement. Bon voilà, je corrigerai sans doute à peu près tout, mais globalement, je suis quand même assez satisfait de la production que j'ai faite, des bouquins que j'ai faits. Je suis content, je suis heureux que ça existe, que pour l'instant, bah, ça n'a pas eu les problèmes que je crains que ce travail peut avoir. Et si je me suis un peu arrêté, je suis un peu en stand-by, c'est pour éviter d'en avoir pour l'instant et d'essayer de développer. Une autre façon de faire les choses pour encore passer à travers les mailles du filet. Mais globalement, j'aime bien ce que je fais, quoi. Non, mais voilà, bon, bah, c'est paru, j'ai pas de dégoût, j'ai pas j'ai des regrets sur certaines choses, mais on peut être assez fier, enfin, je suis assez fier du travail, quoi.